Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo sur la MP7. La MP7, c'est une arme que tout le monde jouait dans les premières saisons de Warzone, et qu'ensuite, tout le monde a abandonné progressivement pour la MP5, puis pour les armes de Cold War. Mais la MP7, ça reste quand même une mitraillette qui est particulière, car elle a peu de recul, une portée de dégâts qui est assez intéressante, ce qui fait que, en réalité, c'est quasiment un mini fusil d'assaut. Et en tant que soutien d'un sniper, la MP7 est quand même très très intéressante. Donc j'ai voulu la rejouer sur la map Rebirth Island, donc de Résurgence. Et franchement, j'ai pas été déçu. Concernant la classe, je vous la mets à l'écran. Silencieux monolithique pour apporter des dégâts, la vitesse des balles. Le FSS Recon pour le contrôle du recul vertical, la portée des dégâts, la vitesse des balles. Laser tactique pour la vitesse de visée. Chargeur 60 cartouches parce que il faut être confortable avec ses munitions. Et puis notamment sur Rebirth Island, c'est vrai que vous pouvez vite vous retrouver dans des fights où il y a plusieurs ennemis. Et puis une poignée avant de mercenaires pour vraiment avoir zéro recul. Et cette arme ne bouge pas d'un poil. Et vous jouez ça avec un sniper. Là, en l'occurrence, dans les gameplays que je vais vous montrer, deux gameplays, deux victoires sur Résurgence. C'est avec le 431 et franchement ça passe très très bien. Voilà, salut tout le monde, profitez du gameplay, ciao ciao! Non, drone ennemi au-dessus! Arriba, creo. Ahí abajo. Ataque racimo, vámonos. De vuelta a Harbor, que me he quedado sin placa y sin. Placa no. ¿Dónde vaya, Chemica? Luke Van Sack, ubre el oído. La vengeance est si belle. Frappe de précision ennemie à couvert. Ça bouge. Total loca, total loca. Hostia, desactivado. Todo, ¿no? No, no. Ah, guau, guau. Ah, no, estaba. No hay nadie. Nada. Vamos con el gas, ¿no? Hay gente ahí abajo. La frappe de précision ennemie à couvert. Muy buena. Arriba, muerto. Sí, sí, sí. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Yo, ¿cómo han tirado? Campero, campero, la derecha y la izquierda al fondo. Subieron una caja, tío, está aquí ahora. Revive, revive, si puede. Oh, no está follando. Hijo de puta, tío, ¿cómo está subiendo una pedazo de caja arriba de esto? Me había matado y al rato todavía buscándola a ver dónde mierda estaba. ¿Hemos ganado? Un ennemi atterri dans la zone. Surveillez le ciel. On a identifié les cibles. À vous de jouer. Ils m'ont dans le visage. Il y a une caisse de ravitaillement qui vous attend.
Ah quoi, non, ah. Thermite lancé. Enfin. Un toque, amigo. De nuevo sur pied. Ah, thank you. Gaz en approche. Déplacement de la zone de sécurité. Attention. On a demandé précision en approche. Le gaz est à l'intérieur. La zone de sécurité. Continuez comme ça. Destination marquée, en route. Va marcher. Birdshot, you're dead. No. Ennemi supprimé.